Hey, cucu, mes petits culs, bienvenue pour ce troisième volet. Et en plus, je fais le chiffre 3 avec mes doigts, mais vous ne le voyez pas. Troisième volet pour les Renault Déco. Aujourd'hui, on invente une histoire. Voici Caroline et son petit garçon, Samy. Caroline, elle a pas de bol. D'ailleurs, c'est son nom de famille. Elle vivait une très très belle histoire d'amour avec son copain et ils ont eu un enfant, ce petit Samy, adorable petit bout du chou. Mais pas de bol, il est parti et il l'a laissé et au même au passage, il lui a piqué 2000 simflouzes. C'est une vraie raclure, mais pourtant, Caroline doit vivre maintenant sa nouvelle vie avec son fils dans une maison starter que nous allons rejoindre immédiatement. La maison est ici, voilà pour la maison starter et je vous l'ai dit, elle a eu des simflouzes en moins. Alors, au lieu d'avoir 8337, on va lui mettre 6337. Donc, on va tenter le code 6337. Voilà, il lui a piqué 2000 simflouzes au passage. Et je vais bien sûr faire le pb.moveObjects on pour refaire tranquillement, bah, la petite starter. Bah donc le... Oh mais oui, mais zut alors, mais oui, mais je suis bête moi. Je m'étais dit le challenge ce sera de créer en plus de ça une chambre pour enfants. Il y a une deuxième chambre dans cette starter. Comme je joue rarement avec des starters, je les connais pas. Donc voilà, bah voyez, elle est très bien cette maison. Moi j'ai rien à y faire. On a 6000 simflouzes de budget. Et on doit faire une maison pour nos deux petits personnages. Caroline et Samy, pas de bol, c'est pas de bol. Je vais lancer le chrono. Le chrono va être now. Donc je prends, je suis pas en mode construction, je perds déjà des secondes. Oui, le marteau, touc, 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 touc. Je casse tout, je casse tout, je vais tout remplacer. C'est le but de cet épisode. On va casser ça aussi. Est-ce que... Oh là là, franchement. J'ai envie de tout refaire, je vous dis, moi, là, dans cette maison. Ça me plaît pas. Peut-être que je vais laisser la lampe là où il fallait, hein. La lampe. La chambre. Tac, tac. Je supprime tout. Même le rouleau de PQ. Je supprime tout. On va passer en mode... voilà, en mode comme ça, on va choisir un sol. Ça va être plus vite de faire ça comme ça. Un sol sympa. Titaratata. Hop, hop, et hop. On a refait le sol. On va faire le sol aussi devant comme ça. La peinture. La peinture, on va faire vraiment expression pure. C'est parfait. Est-ce qu'on a expression pure partout? Oui, il me semble. De la maison, le parement extérieur. Et si on osait un peu? Hein? Puis j'aurais quand même envie d'agrandir cette maison. De dire oui, d'accord, mais quand même. Voilà, faire un dégagement peut-être ici pour le séjour de deux carreaux. Ah! Et pas parce qu'elle s'appelle Caroline, hein? LOL! J'en dis de la merde, j'en ai conscience, ne vous excusez pas. D'accord, je fais de caca. Tu vas faire ça comme ça. Là, tu vas tout casser ici. Tu vas reprendre ça, tu vas le mettre là. Le parquet, tu vas en mettre là aussi. Voilà, j'ai déjà changé. Je vais faire le toit tout de suite pour pas que j'oublie. Tu vas prendre ça, tu vas le copier, tu vas le tourner. Comme ça, et tu vas le hop et le rentrer dans le toit. Voilà, c'est bien. Mais c'est moi où ils avaient pas mis les fenêtres au bon endroit. Voilà. La maison, elle n'est pas forcément plus de gueule, mais elle a été un poil agrandie. Je descends, je remonte dans. Voilà. Ça sera le séjour. Ça sera le séjour, salle à manger, truc muche bidouchon. On va faire un petit couloir. Ouais, un petit couloir. Mince, ça va être trop petit. Je sais ce que je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire ça. Je vais le supprimer. J'irai encore une fois donc
Ah mais moi je fais toujours n'importe quoi quand c'est chronométré, hein. Vous étiez pas au courant, vous l'êtes maintenant, hein. Et vous allez me dire, la salle de bain, je la mets où? Eh ben oui, je la mets où, je ne sais pas. On va la faire comme ça. Hein? On va même faire comme ça. Il y aura toilette et salle de bain. On va faire ça comme ça. On va reprendre le papier, enfin le machin. Ok, ça c'est fait. On a 9000 de budget, c'est beaucoup. On va rajouter une fenêtre ici. Là, c'est vraiment trop petit pour une chambre d'adulte, hein, on est d'accord. Je vais devoir agrandir aussi la chambre du fond. Je sais, je mets peut-être trop de fenêtres. Je vous entends, de toute façon. Je peux pas. Oh! Fichtre diantre, est-ce que je peux reculer ça? Ouais, je peux me reculer ça. Je fais n'importe quoi, oui tu sais même pourquoi. Toujours je me m'impose des trucs qui ne réussissent pas. Voilà, ça c'est mieux. Il me reste, je sais pas. Combien de temps il me reste, je ne sais pas. Et là j'ai un truc, du coup, ça va pas du tout. On va faire ça comme ça. Voilà, ça fera un petit décroché, c'est mignon. Bon, on va penser aux meubles. Ça pourrait être bien. Et des portes. Et des portes, et des portes. Ah. Alouette, gentille alouette. Ouais, on va mettre la truc là. Ici, on va mettre ça comme ça. Je vais changer le sens parce que je suis un peu relou. On va commencer à meubler. Chambre. Chambre d'adulte. 2000. Ouais. Mettre celui-là, tiens. Allez, en vert. En vert et contre tout. Voilà, elle s'est dit ça en se levant. Elle s'est dit, non, on ne touche pas à cette fenêtre. On va faire ça comme ça. On va faire un lit pour Bambinou. C'est un garçon. On va prendre un truc bleu. Très bien, on s'en fout. Ça, on va te mettre la fenêtre là, mon coco. Tu vas avoir. Ouais. Un truc clair. Ouais, un truc clair. Tac. Chez les bambins. Chez les bambins. On va faire des joujoux. On va faire un pot. Parce que c'est un petit garçon. Et comme c'est un petit garçon, on va mettre un pot bleu. On va mettre des cubasses. Des nounouches. Un chaminette. Un coin-coin. Un truc, un coffre à jouer ici. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien tant pis, c'est le même prix. Un tapis grenouille bleu, voilà, c'est super. Il va dire, ouais, voilà, t'as vu, super. J'ai pas mis les lampes, c'est cool aussi. On va mettre un gros nounouche. On va mettre ça. Voilà, pour la chambre du petit choupinou. On va prendre des lampes, s'il vous plaît. Bien sûr, quand je stretch, je dis beaucoup de choses. On va prendre ça. Ça, c'est très bien, ça. Tu vas voir. On va mettre une lampe là. Là. Ici. Et ici. Les toilettes et salle de bain. On va mettre ça. Aïe, 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 aïe. Alors, on va faire salle de bain. Douche. Non, plutôt baignoire. Parce qu'on a un enfant. Ce sera. On s'en fout, on va mettre ça. Voilà. Ça, c'est la salle de bain. Et les toilettes. Alouette. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va mettre celui-là. On va mettre un petit miroir tout simpliné comme ça. Eh ben ouais, bah dis donc, il y a ce qu'il faut là où il faut. Ah, par contre, pour accéder à la chambre du fond, il nous faut peut-être. Ah, j'ai pas cliqué où. Ça. Voilà. Là, on est bien. On a quelque chose. Bon, il manque cruellement de décoration, je suis d'accord avec vous. En papier peint pour enfants. Nous avons. Ouais, voyez, c'est parfait ça pour ce petit. Pour ce petit garçon, il aura tout plein de choses. Maman, elle s'en fout, elle a besoin de rien. Elle a peut-être besoin d'un tapis. Parce que les tapis, c'est fantastique. Ah, un tapis vert. Ah, j'aime trop ce tapis ici. Je vais l'augmenter de taille. Oh là là, magnifique! Magnifique, c'est super. On va peut-être faire la cuisine.
On va faire la cuisine là où elle était. Franchement, on va faire le plus rapidement possible. Ah, bien sûr, si je fais pas le truc qu'il faut. Hop. Et c'est bien, on va prendre un frigal. On va mettre là. On va mettre ça. Il me reste encore un peu de budget, mais c'est pas encore ça. Manger, machin, évier. Évier. On va mettre ça là. Voilà, il y a de quoi manger. De quoi poser ses fesses aussi pour manger. Une toute petite table sera bienvenue, puisque de toute façon, Caroline vit seule. Voilà. Enfin, vit seule. En tant que. Voilà, hein. En tant qu'adulte. Donc, voilà, ils auront vu sur le devant. Et la partie canapé. Je pense que pour l'instant, c'est la maison la mieux faite que j'ai faite. La mieux faite que j'ai faite. Super, on va mettre ça. C'est super. Et un petit fauteuil. En plus, j'ai l'impression que mon PC veut pas trop. On va faire un super petit fauteuil. Non, il est trop cool. On va faire ça. Non, ça c'est moche. Je m'en sors plus. Je stresse. Il reste 1000. Une table de salon. On va prendre la moins chère. Voilà. On va prendre. J'ai mis les lampes, hein, ça c'est ça. Une petite télévision. Et puis tout. Le salon est en piteux état. Mais il y a quand même de quoi faire pour l'enfant. Les portes. Tout est là. Un petit tapis. Il reste 15 simflows. Faudrait que je sacrifie. Ah ben, il faut que je sacrifie rien du tout. Voilà! Je vais arrêter ça. Oui? Voilà pour la rénovation. Ah, j'ai oublié de faire le toit! C'est pas grave. C'est pas grave, on aura oublié. Voilà pour cette réno déco numéro 3. Ah! Il n'y a pas de peinture. Bon, eh ben, ouais, j'ai mal posé. En fait, je pensais mettre une petite lampe là, mais j'ai pas eu le temps. Toujours 10 minutes, vous savez que c'est complicado. On va reprendre la vie. Voilà, bah, elle est contente. Et puis, on va. Tu vas aller jusque. Tu vas t'asseoir sur ton lit. Et toi, tu vas venir babiller. Et qu'est-ce que c'est à ton truc? Et puis, on va visiter la maison grâce à vous, les enfants. C'est parti! Magnifique maison. Oh là là, comme c'est joli. Bon, déjà, l'extérieur est plus joli. Ouais, c'est assez simple, hein. C'est assez rustique. C'est vachement plus coloré dans la chambre. C'est déjà plus mignon. Voilà. Bon, et en plus, elle tourne le dos là où il n'y a pas de peinture, donc c'est bien. Bon, il y a de quoi faire dans la chambre, hein. Je pensais avoir le temps pour faire une penderie, mais c'est pas le cas. Et lui, il va visiter sa chambre à lui. Regardez-moi ça, la chambre, elle est bien. La chambre du petit, elle est bien. Disons que le budget qu'elle a eu, Caroline, elle l'a mis pour son fils. Parce qu'elle a dit, c'est ma priorité, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'il s'en aille. Spéciale référence. Voilà pour ces petites réno déco. Bien sûr, j'aurais pu mieux faire, mais je pense que là, franchement, c'est grave bien. Pas pour me lancer des fleurs, mais regardez, ils peuvent se distraire, faire à manger. Aller aux toilettes séparées de la salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut. Il manque peut-être un tapis ici, un tapis là et un tapis ici. Mais vraiment, je n'avais plus de budget. Mais je pense que Caroline voit bien d'un bon oeil cette nouvelle vie qui va commencer. Et moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet troisième épisode de Réno Déco. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur ma chaîne YouTube. Allez, bisous. Ciao.